Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ouverture de mes récompenses Fut Champion et aussi quelques petits SBC que je vous ai fait. Alors, vous avez le défi chaque semaine qu'il faut faire, donc je ne voulais pas montrer, mais c'est assez simple, le défi pour avoir un gros pack à la fin. Mais ils ont mis un petit SBC gros match d'une valeur à peu près de 30-35 000 crédits, qui est, ma foi, très intéressant, surtout du point de vue pack. Les défis, bon, sont un peu pitons, par contre, les récompenses sont intéressantes. On a un pack à 45K en récompense des 4 défis et à l'intérieur, vous avez ici un pack Premium Or, ici un pack joueur Electrum. Pour le Portugal, Mexique, un pack joueur Premium et Cameroun, Chili, un pack Jumbo Premium. Donc des packs très intéressants et les critères sont vraiment simples. Je vous dis, ce défi, vous le faites pour moins de 35 000 crédits avec un peu plus de 104 packs, ce qui est quand même très intéressant. On commence par le premier défi, New York contre Seattle Sounders. Seattle Sounders, ceux qui connaissent, ceux qui ont le maillot Xbox sur... sponsor Xbox, pardon, sur leur maillot. Il faut soit deux joueurs de chat, enfin deux joueurs, soit un joueur de chat, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai mis deux buteurs. Voilà. J'avais ce joueur-ci qui traînait Jones dans mon club, je le mets. Et j'avais aussi celui-ci, Mendoza. Après, vous mettez ce que vous voulez. Il faut 11 joueurs de MLS, 65 de notes, je les ai largement, 90 de call. Donc, vous prenez pas la tête des petits joueurs de MLS qui traînent au fin fond de votre club. Peu importe les joueurs. Le plus important, bien sûr, c'est les deux joueurs du défi. On valide et on obtient un pack Premium Or. Ensuite, on enchaîne sur le défi de Corée, Pohang contre Ulsan. Il faut, bah pareil, comme le défi MLS, soit un joueur de chaque, soit deux joueurs, enfin bref, à vous de voir. Moi, j'ai mis deux joueurs du même club, voilà, j'ai mis celui-ci. Ling Chung Ho, c'est de Ulsan, et pareil, le même joueur de Ulsan aussi, Kim Chung Yoon. Voilà, c'est vraiment très simple. Après, il faut deux nationalités. Moi, j'ai fait une petite D1 coréenne, voilà, parce que j'ai beaucoup de joueurs dans mon club, autant m'en débarrasser. Deux nationalités, bon, en Corée, il n'y a pas que des Coréens, comme vous pouvez le voir, j'ai un Japonais ou j'ai un Égyptien, si j'ai pas de conneries. Non, un Irakien, autant pour moi. Donc voilà, c'est vraiment assez simple, défi vraiment pas cher. Et on obtient un petit pack joueur Electrum. On valide ce défi, voilà, défi très simple. Ensuite, on attaque un peu les sélections Portugal-Mexique. Ça peut être un match assez intéressant à regarder. Il faut au moins un Portugais, au moins un Mexicain, minimum de championnat 3. Il faut des joueurs rares, pas forcément des or, et 76 notes. Donc bon, au final, ils font quand même un peu de or. Moi, je suis parti sur un petit dispositif tranquillou. Le collectif est largement au rendez-vous. 76 notes, j'ai pile pour elle, 76. J'ai fait un petit trio mexicain ici avec Sansores, le joueur, compatriote de Gignac, Alvarez et Molina. Et pour les Portugais, bah, j'avais ce joueur-ci, Marafona. J'ai mis ce joueur-ci, Santos. Et le latéral gauche du même club, Talocha, tout simplement. Après, je vais compléter avec des petits Français, ça coûte vraiment pas cher. Sanson, vainqueur, Thomas Lemar. Et bien sûr, j'allais, voilà, donc défi assez simple avec un petit pack joueur Premium Or en récompense. On valide ce défi, 3 sur 4 validés pour le moment. Et on termine avec le Cameroun-Chili. Il faut au moins un Camerounais, au moins un Chilien. Bon, j'ai fait une petite défense d'apporter un peu de collectif derrière. Donc j'ai mis 3 Chiliens, tout simplement. Carces, j'ai mis aussi Acevedo et Vilches, voilà. Après, il faut un petit Camerounais, bon, je l'ai implanté comme ça. Vous inquiétez pas, pour le collectif, ça passe largement. Hein. J'ai 92 de call, 76 de notes, ça passe largement. Et après, bah, j'ai un petit côté français, tout simplement, avec De La Place, Valbuena, Corchia, Ferret, Albert, Fabinho et notre ami Cornet. Voilà, tout simplement. On valide, 4 défis sur 4 validés, on obtient aussi le pack à 45K en récompense. Donc c'est vraiment très simple et je vous conseille vraiment de les faire parce que vous dépensez 35K, vous avez quasiment 104 packs avec la TOTS BBVA ou alors la TOTS Serie A qui arrive dès ce soir. Ça peut aussi être très intéressant du point de vue si vous avez du lourd dans vos packs. On va rechercher un petit peu aussi nos récompenses. Champion, on a terminé un petit hors 3. Bon, j'aurais pu aller largement plus haut, hein. Au moins hors 1. Bon, Elite, c'était mort, ou à moins que je fasse du 10-0, mais c'était mort de toute façon. Mais bon, on se prend pas la tête. De toute façon, Fut Champion, c'est fini. Ça fait depuis février que j'ai pas fait 40 matchs. Donc, on s'en bat les couilles. Mais le petit retour, il fait plaisir. Il y a un petit pack à 50K et 30 000 crédits. Ainsi que aussi que deux petits packs méga. Donc, c'est très intéressant ces packs. Et on a un total de 8 packs, les amis, à ouvrir. Dont le petit pack du défi. C'est celui-ci du défi qu'il faut faire chaque semaine pour avoir des joueurs, etc. Bon. C'est un défi qui coûte que dalle, mais qui peut à la fin vous rapporter un très gros pack. Je crois que c'est un pack à 125K, si je dis pas de conneries. Allez, on garde tout ceci. On a des packs très intéressants. Il y a des packs à 50K, 45K.
On a un petit pack, je crois, à 25K, si j'ai pas de conneries, voilà, ici. Donc, il y a des packs très intéressants, qui peut, ma foi, apporter un petit TOTS, pourquoi pas, de BBVA. Qui dit animation, dit TOTS de BBVA, mais bon, après, tu peux avoir un joueur comme Santi Cazorla, quoi. Donc, ça ferait un petit peu chier. Ziyech, dans le petit pack joueur électron, gardez bien tous ces packs, tous ces joueurs aussi, même si ça vous sert pas du tout dans votre club, gardez-les. Vous pouvez faire un maximum de SBC, que ça soit les premiums du côté de la Liga BBVA ou alors pour la Serie A, à vous de voir. Donc ça peut être aussi très intéressant. On commence par le pack premium, pack classique, 7500, 12 éléments, 3 rares dedans. Bon, généralement, il n'y a rien dedans, vous l'avez compris. Défenseur, je ne sais pas qui c'est, brésilien de D1 portugais, je pense. Marcelo, ok, Liganos, ok, on prend. Bon, les contrats, les cartes formes, ça fait toujours plaisir. Attention aux cartes formes, ça coûte toujours assez cher. Ensuite, on commence par le pack Jumbo Premium Or. 7 éléments rares, pas d'animation. Moi, ce que j'aimerais taper... une étoile plutôt intéressante, Subasic, ok. J'aimerais bien taper, c'est un petit joueur intéressant dans notre pack à 50K. Ça pourrait être cool. Après, c'est vrai que cette année, les packs à 50K et à 100K, je les trouve les plus pourris. Hein. Franchement, cette année, du point de vue luck, on est proche de 0. Allez, on discarde l'ORS, rien de bien intéressant. Le pack méga. Ça, c'est le pack en fonction de ma récompense Foot Champion. Il y avait deux packs méga. Donc, ce qui est bien, c'est que tout est rare. Mais après, quoiqu'un bailli, bon, ça a besoin d'un tout petit peu. Mais on n'est pas là pour taper des joueurs comme bailli. C'est la fin de FIFA. Faut lâcher les grosses cartes, les cartes bleues. Si possible, ça pourrait être, ma foi, très intéressant. On enchaîne sur le second pack méga. Aucune animation à déclarer pour le moment. 3 cartes rares. Non, c'est pas Voland. Si, non, je crois pas. C'est qui? Bellarabi. Voilà, j'avais complètement oublié. Bilia, ok, les classiques, les joueurs or rares. On garde. Le reste, on discarde. On va se garder quand même le petit pack à 50K, ok. On va ouvrir le petit pack à 25K. 12 éléments, 3 cartes rares. Oui, ok. Bon, non, mais le jeu est en train de me pisser dessus. Il ne veut pas me balancer une petite animation qui ferait, ma foi, très plaisir. Le petit pack à 45K. Toujours pas d'animation. Des étoiles aussi petites que la valeur de la carte. Que 80, ouais, ça peut passer, mais vraiment, hein, quand tu es au fond du désespoir, tu dis, bon, allez, un petit 80, ça passe. C'est Judo, ok, et on termine les amis avec le pack à 50K, 12 éléments, que des joueurs, tous or, tous rares, let's go. Ok, bah c'était tellement rapide, je n'ai même pas vu l'ouverture du pack. Et bah comme quoi on a eu que de la merde, bien sûr, donne-moi un russe qui est patote, Zagoev, ça fait toujours plaisir. Bon bah on a vraiment rien eu, hein. C'est pas comme ceci, quand tu vois que ton meilleur joueur dans un pack à 50K il a 81 notes, que t'as 3 joueurs à 75, 2 à 76... Tu sais que c'est un pack de merde. Notamment des packs à 125K. Donc, quand il y en a deux, et ben on va aller les ouvrir tout simplement. Et on terminera, vu qu'il nous restera 1200 points FIFA. Certainement par, je pense, deux petits packs à 45K. Il y a la possibilité de taper du bleu. Si on termine, les amis, ce pack opening, on a à peu près 4 packs à ouvrir. 2 packs à 125K, 2 packs comme ceci. Si on n'a pas un bleu, je serais très déçu. Ok ? Allez, c'est parti. On commence par le premier pack à 125K. Bon, bah, une animation dit... Peut-être pas du bleu, mais je serais content, tu vois. Après, l'objectif, c'est une carte de couleur. Et sachant que l'équipe de la semaine, elle est pas ouf, à part un petit Ramsey, moi, je veux du bleu, ok. C'est parti, les amis, let's go. Premier des deux packs à 125K. Boum, c'est parti. Eh ben, c'était tellement rapide, j'ai rien vu. Ok, pas d'animation dans ce premier pack à 125K. Mirante, non, mais t'es sous ma gueule, là. Tu te fous de ma gueule. Un pack à 125K. Dedans, il y a un mec, 81 notes, meilleur joueur, quoi. 81 de notes. Bon, tu me donnes un 83, 84, ça peut aller. Mais... c'est quoi ce pack de merde? Ça, c'est le pire pack à 125K, quoi. Let's go! C'est parti. Ok, aucune animation. Ah, voilà. Ça, c'est 3 étoiles, assez intéressante. Un petit Eriksen à 85. Ok, par contre, le bleu, il a totalement disparu. Après 85, on va pas se plaindre, on a quand même une... Oh, et voilà, ça, c'est un pack, entre guillemets, potable. 1,85, 3,84, ça va. Merci, enfin, un petit genre intéressant. Eriksen, ok, on garde. Mais bon, là, on est là pour packer du bleu et on n'en a pas eu. Je suis vraiment déçu parce que dans des packs comme ceci, à 125K, ne pas avoir de bleu, ça fait chier quand même. Allez, on va terminer, les amis, avec deux petits packs à 45K. On va essayer de taper un petit joueur, pourquoi pas, assez intéressant. En tout cas, je l'espère. Premier des deux...
Raphaël, ok, 82 de notes. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Tu mets 50 balles de points FIFA. Meilleur joueur, Eriksen, 85. Ça fait mal quand même. Ça fait très, très mal. Et on termine avec le même pack à 45K. Je préfère ces packs-ci, tout simplement. Et pas d'animation. Et encore une petite étoile. Bon, et bah, très décevant quand même ces packs à 125K. Mais au moins, en voyant des packs comme moi à 125K, ça vous incite à pas mettre d'argent dans le jeu. Franchement, ne mettez pas d'argent dans le jeu. C'est de la douille. Alors un petit 50 balles une fois dans les 2-3 semaines, pourquoi pas, mais pas plus quoi. Parce que tu te fais toujours niquer. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette toute petite vidéo, prenez soin de vous. On se retrouvera certainement pour la tête Syria, un ou deux petits trucs assez intéressants. Merci les notifications Twitter. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.